La séquence que vous venez de voir, elle a été tournée avec le DJI Osmo Mobile 3 et la fonction de suivi sur l'appli DJI Mimo. Alors cette vidéo ne sera pas aussi détaillée que d'autres chaînes tech pourraient l'avoir fait, mais là je vais juste vous présenter le produit, quelques spécificités, puis on part tout de suite pour les tests. Déjà quand le produit est livré, il est livré dans cette boîte là, avec cette petite sacoche à l'intérieur, plutôt pas mal. Donc ça c'est pas le Mobile 3 normal, c'est le Mobile 3 combo avec le petit pied en bas. Alors bon, il est un petit peu plus cher, avec le trépied il coûte 130€, puis sans il coûte 109€ sur le site de DJI. Si vous voulez un autre stabilisateur pour vos téléphones, il y a le Osmo Mobile 2 qui est pas mal aussi. Ou sinon, il y a le Osmo Pocket qui s'utilise sans téléphone et qui a directement une caméra installée dessus. Le Osmo Mobile 3, du coup, il se recharge en USB type C et il a aussi un petit port USB ici. Et la batterie, elle peut tenir jusqu'à 15 heures, donc c'est énorme pour un stabilisateur. Et le temps de charge est d'environ 2h30. Après, dans la version combo, il y a pas mal d'accessoires en plus. Après, au niveau des boutons, on a le bouton pour l'allumer, pour changer de mode, le bouton enregistrer, un petit joystick pour diriger la nacelle, et puis un truc ici pour régler le zoom. Donc là, vous voyez, le pied, il est replié. Mais si on l'enlève, ça peut se transformer facilement en mini trépied pour un autre appareil, comme ici mon petit Lumix. Donc après vous voyez que une fois séparé du trépied, c'est vachement compact et plus petit. Vous pouvez facilement le mettre dans le sac, même si je recommanderais pas trop ça. Vous pourrez utiliser la sacoche de transport qui est inclue avec. Voilà, c'est tout pour la partie technique, on passe tout de suite au test. Bon, on va juste comparer les images que j'ai prises avec le téléphone pour voir que ça bouge beaucoup quand même. Après c'est avec stabilisation, c'est déjà beaucoup plus stable dans le plan avec le Osmo. Ah ouais, il est quand même beaucoup plus stable, hein, il n'y a pas à dire. Bon, on a vu qu'avec l'Osmo, il y avait une grosse différence en termes de stabilisation. C'est parti pour quelques plans du bureau. On a vu ce que ça donnait. Maintenant, est-ce que je vous recommanderais de l'acheter? Totalement. Si jamais vous partez en vacances, que vous avez que votre téléphone, que vous n'avez pas envie de vous encombrer avec une caméra, je pense que c'est un très bon choix pour pouvoir garder des bons souvenirs stabilisés. Pour 130€, si ça tient au moins un an, oui, je le recommanderais. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo présentation du DJI Osmo Mobile 3 vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis suggérez-moi d'autres produits à tester. Puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!